Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadec vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! L'armée Palpori a pris le contrôle de ce manoir. Ok. J'ai pour ordre de ne laisser passer personne. Qu'on fait comme le passé, on passe par en arrière. Ah bah ouais, je dirais dessus. Papa.
Et vous, commandant Link, l'armée de Papori occupe le manoir depuis votre départ. N'y a-t-il rien que vous puissiez faire? J'ai peur de laisser passer personne. Bon. Ça devrait être fermé, mais j'en dedans. C'est fun. Regarde, on m'a parlé de l'île. On m'a parlé d'une île aussi.
Oh, allez, je vais prendre la planche. Lire un vieux carnet, le lire. Voici la méthode pour vaincre le monstre qui barre le passage. Muni d'une poche à plantes, faites le tour de toutes les plantes. Certains seront affligés par le parfum. Ah, ok, ouais. C'est vieux, ça. Ah, bah on va toutes les poignées. Je suis curieux s'il y a encore des... Nous avons appris que le forgeron fabriquait des armes pour les hussards. Inutile de se cacher. Nous ordonnons de cesser votre travail et d'arrêter la forge. Et vous m'avez entendu? Arrêtez, c'est dangereux. L'atelier d'un artisan n'est pas un endroit sûr pour celui qui n'y connaît rien. Vous n'avez qu'à vous approcher et puis pourquoi je devrais vous obéir? Ce n'est pas vous qui allez me donner des ordres. Dégagez, j'y travaille. Non, vous ne comptez pas vous arrêter quoi qu'il arrive. Ne m'obligez pas à me répéter. Je ne suis pas du genre patient en plus. Si vous avez compris ce que je viens de dire, vous ferez mieux de partir. Bien, j'ai compris. Ça passe pour cette fois. Mais ce ne sera pas la même histoire si je dois revenir. Peu importe ce qui se passe, je ne vais pas m'arrêter de travailler. Papa Joe, ça fait un bail que je n'avais pas vu, mon vieil ami. Je croyais retirer, qu'est-ce que tu viens faire ici? Le monde qui m'entoure ne me laisse pas le répit. C'est pour ça que j'aime cet homme, c'est un homme vrai, c'est moi qui vous le dis. Bon, je dois vous faire une part du boulot. Bienvenue. Non, qu'est-ce que tu veux, toi? Pas de DNA de rip, là. Mais j'ai une casserole.
Pour la millième fois qu'on me parle de la matière arc-en-ciel. Titanium Neo 72, comment ça va? Tu connais ce jeu? Bienvenue à Titanium Neo. Bon, dingue, vous allez bien? L'absence du maître Fit, Tormina, a sombré dans le chaos, je vous en supplie, vous devez nous aider. Tiens, voilà mes sirvins, cela faisait longtemps. Qu'avez-vous pensé de ma dernière livraison? C'était une trouvaille des plus rares, vous savez. Il y a des soldats partout par ici. Je me demande ce qui se passe. Nous, mon bateau, c'est ça l'affaire. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de bateau dans ce monde-là. J'ai déjà été là. We'll be right back.
C'était vite, ça. Moi, il n'aura plus. Ah ben ouais. J'avais déjà été là. C'est là qu'on a attrapé le fragment d'étoile. Thank you.
Qui est là? Ah, vous attendez là, je vais vous ouvrir. Venez entrer par la gauche. Ça fait un bail, Lynx. Ou devrais-je dire caribou? Après vous avoir affronté, nous sommes aussi entrés dans le fort Dragonia. Général? Vous êtes... Il a disparu. Bon sang. C'est terrible. Général, vous allez bien? Ophélie. Ne restez pas là. Aidez le général. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé au général. Ça alors, j'en reviens pas. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi tous ces éclats qui brillent? C'est pas plus urgent, on doit arrêter l'hémorragie. Merci, ramasse ces éclats. Nous avons amené le général à l'ermitage et nous prions pour qu'il se remette en vie. Il n'est plus à l'article de la mort, mais il doit se reposer. De notre côté, nous ne pouvions pas laisser le manoir sans défense. Trop longtemps. C'est pour ça que nous sommes revenus ici. Et que nous avons laissé Marcy à son chevet. C'est en arrivant qu'on a vu ce qui s'était passé. L'armée de Palpori a pris le contrôle de Tormina. J'en reviens pas, c'est un scandale. On a appris ce qui se passait, le général parle dans son sommeil. Lynx est derrière tout ça, pas vrai? Cette pourriture, il ne va pas s'en tirer comme ça. On a notre part de responsabilité là-dedans, alors c'est à nous de corriger le tir. Il faut d'abord qu'on sauve Dame Ophélie. Elle est retenue dans le manoir de l'armée de Palpori, on a fait son quartier général. Et tu devrais pouvoir entrer incognito affaibli comme ça? Non, unissons nos forces pour le moment. Ce n'est pas trop tard pour lui faire payer. L'un de nous va rester ici pour glaner les renseignements. L'autre entrera dans le manoir, retrouvons-nous après. Ah oui, les éclats du sol doivent être la lame de dragon. Nous en avons ramassé plein, mais nous ne savons pas quoi en faire. Vous pouvez les prendre. Éclat de haine. Qui voulez-vous intégrer? Karch. Karch, rejoins votre équipe. Thank you.
En ce cas, amenez-moi ce fameux caribou dès que vous l'aurez trouvé. Oui, mon commandant. Commandant Lynx? Où étiez-vous tout ce temps? Nous avons appris que vous étiez allé au fort draconien avec le général. Que s'était passé là-bas exactement et se produit des choses étranges depuis? Connaissez-vous un dénommé caribou? L'homme derrière vous, c'est Mr. Fly, l'un des dévasses des hussards d'Acacia. Commandant Lynx, comptiez-vous l'arrêter? Commandant Blaster, un message urgent de la part du commandement. Que se passe-t-il? Il s'agit d'un message de sécurité niveau 2, mon commandant. Vous pouvez parler, cet homme est avec nous. Oui, mon commandant, Borghi vient d'arriver dans le manoir. Il est en avance, bien, je retourne de ce pas. D'accord, mon commandant. Commandant Lynx, veuillez m'excuser, mais je dois retourner immédiatement au manoir. Rejoignez-moi là-bas ou plus tard, nous discuterons de cela en détail. Papa Jou, comment ça va? Je viens juste de changer ton personnage, j'espère que t'es pas trop déçu. Laisse-moi rentrer. Commandant Lynx, vous pouvez passer. Merci. Commandant Lynx, vous pouvez passer. Merci, merci, merci. Colonel, on fait sa tête de mule, hein? Colonel Papori, je vais te redemander une dernière fois. Que s'était passé dans le fort Dragonia? Où est le général Ophide? Et où est la flamme gelée? Je n'en sais rien. Et même si je le savais, je vous dirais rien. Fichu sainte minitouche. Écoutez, jeune fille, vous savez que vous êtes dans le prétrin. Je vous en prie, colonel. Cette jeune femme n'a rien fait de mal. C'est une prisonnière de l'armée de Palpori. Je l'interroge comme bon me semble. Permettez-moi de ne pas être d'accord, colonel. Il doit y avoir une autre manière de faire. Attendez encore un peu. Nous n'avons pas le temps, Blaster. Et ce n'est pas le moment de me sortir vos explications à la noix. Dans ce cas, jeune fille, je suis qu'en train de vous amener au sol. Au sous-sol. Non, attendez. Blaster, vous recommencez à me taper sur les nerfs, restez en dehors de ça. Amenez-la. Petite sainte nitouche, allez. Au cachot. Le personnage à droite que j'ai jamais vu, là. Vous me décevez, Blaster. Je vous ordonne de rester dans le boudoir jusqu'à nouvel ordre. Vous m'avez compris? Attendez, je vous en prie. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Pourrez-vous vivre avec ça sur la conscience? Il ne vous adresse pas la parole. Seul le combat l'intéresse. Je n'en reviens pas. C'est bien celui qui était dans le laboratoire? Tout à fait. Voici Borghi, la machine à tuer. J'ai oublié d'aller le libérer, c'est bien à cause de ça. Borghi ne reçoit d'ordre que de ceux qui sont plus forts que lui. C'est bien notre veine, encore un soldat qui refuse d'obéir. Rompez. Appelez-moi le cuisinier. La version infernale, bien évidemment. Oui, colonel. Bon, je vais où, moi? Thank you.
présente notre armée ultime, Guillotin. Jamais vous pourrez vaincre cette chose. Intéressant. Je sortirai de là et j'irai sauvegarder avant. Je me demande si Turbo va faire du Fortnite tantôt. On va lui écrire. Ah, il est là, lui. Commandant Lynx, veuillez m'excuser, tout ceci n'est pas digne de votre grade. Commandant? C'est le maître Turlupine. Depuis notre dernière rencontre à Tormina, mais vous m'avez l'air différent d'avant. Je vous trouve changé. Cet homme n'est pas le commandant Lynx. Comment? Il a l'apparence de Lynx, mais c'est Caribou en réalité. Est-ce la vérité, commandant Lynx? Que s'est-il passé? Je vois. Alors, le dénommé Caribou qui commande les insurgés est le vrai Lynx. Je comprends plus maintenant. Nous nous sommes trompés sur toute la ligne. Nous n'aurions jamais dû unir nos forces à celles de Lynx. Mais pourquoi êtes-vous ici? Ophélie, où est Dame Ophélie? Laissez-la partir maintenant. Si vous touchez un seul de ses cheveux, je vous tue tous. Je vois alors vous êtes ici pour la secourir. Dans ce cas, je vais vous aider. Ophélie doit se trouver dans la prison au sous-sol. Prenez ceci. La clé de la prison. Les égouts passent sous la prison. Vous devriez pouvoir vous introduire dans la prison en passant par là. Utilisez la trappe située en bas. Les égouts sont infestés de monstres. Soyez sur vos gardes, il paraît que l'un d'eux est particulièrement terrifiant. Je serai dans le foyer au rez-de-chaussée, retrouvez-moi là-bas, une fois que vous aurez libéré Ophélie. Orca, c'est l'heure. L'heure de quoi? De quoi tu parles? Tu sais bien de ceci. Quoi? Quoi? Ta proie t'attend au sous-sol. Quoi? Qui tue les personnes? C'est bien bizarre, ça. D'inspecter les égouts. Inspecte. J'ai essayé de réveiller, mais ne branche pas. C'est un boulot de toute façon.
Ah, ça, faut que je prenne la trappe. Para papa. Putain. L'eau s'écoule trop vite. On doit pouvoir arrêter quelque part. Achèvement. Boum. Une éclipse de lune. Aïe aïe. 200 chèques. Ça le contrôle. Je suis pas sûr où il faut aller. J'avais un coffre là tantôt. Non? Ah, le coffre tombe en bas. Intéressant. Vous devriez pouvoir pousser ça. Pousse-les.
Ah, il y avait un tonneau, là, je pouvais aller pousser. Je peux-tu monter, là? Ouais, il y a une façon. Ah, le tonneau, en le poussant, il a tombé là, j'ai compris. Ah, il y a un coffre dans l'eau, on va le chercher. Ah, mais je peux pas aller. Ça va où ici? Jusque dans le début. Désolé, mais je peux pas vous laisser passer personne. Pas même vous, commandant Lynx. La clé du boudoir. Il est où? Enlevez-vous des chemins. Ça brille, je peux pas le ramasser. Bon, le pendant de Dimitri est intéressant. J'ai un bouclier quelque part. Wow. Mais 29h10. T'as 29h10? Mais 28h, je vais t'envoyer dans mes niveaux, j'ai 29h10. Peut-être dans la chambre. Ok, merci. Attends. Je vais la voir bientôt. Thank you.
Avastok et le... Ça s'ouvre maintenant que... avoir enlevé la pression. C'est beau et fermé, mais ça sent un peu mauvais. Bon, ça sent.
Commande un blaster un nouvel accrochage avec les supérieurs et l'envoyer au boudoir de l'autre côté. Puis la trappe située en bas. Je pense que je vais aller sauvegarder. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!